Bien le bonjour à tous les amis, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, épisode incroyable où on s'attaque enfin au PVP sur Dofus Retro. Ça fait un petit moment que notre Ecaflip sans Duru a été créé, mais on se met enfin à ses préparatifs pour aller faire des tracks. Donc je suis très content de vous présenter cet épisode. Sachez que voilà, il y a plusieurs jours déjà dans cette vidéo de farm intensif, etc. et de préparatifs. Vous allez voir toutes les étapes d'XP, de parchemin au niveau des caracs, parchemin au niveau des sorts, d'FM, etc. Pour aller chercher des sorts, hein, comme par exemple Marteau de Moon. Vous allez voir tout cette préparation assez longue, mais surtout sachez que j'ai dépensé tous mes kamas, j'en ai quasiment plus, j'ai dépensé vraiment des dizaines de millions de kamas sans déconner. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, que ce soit pour taper des captures, que ce soit au niveau des prêts, des items, que ce soit au niveau de prix certaines fois, pour les ressources, pour les parchemins, etc. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on avance mieux comme ça et que j'ai plus un sou. Enfin, j'en fais tous les jours, mais en tout cas tous les jours je les dépense totalement. Je pensais pas que ça me coûterait aussi cher d'optimiser un perso le 60. En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage à tous. J'espère très sincèrement que ça vous plaira. Il est là, mon petit Sanduru. Il est beau, hein? Il est vraiment très stylé. Pour l'XP, utilise tes dorés que t'as eu dans les cadeaux. T'en achètes pas. Oui, je vais pas en acheter. Oui, totalement. Bon, on va pas faire de bêtises. On va le parchoter bien comme il faut. Donc, on va commencer avec les petits parchemins. Donc, je le rappelle, faut faire 25 petits, puis 24 grands, enfin normaux, et ensuite 26 puissants. C'est parti pour le petit Ecaflip. On commence avec les petits parchemins de sagesse. Hop, hop. On gagne comme ça les petits points. On peut mettre les caractéristiques en même temps. Comme ça on les voit monter. Hop. Voilà, donc on a les 25 parchemins de sagesse. Ensuite on passe au parchemin classique. Comme ça on va avoir... Je vais mettre mes caractères de nouveau. Comme ça on va avoir 49. Si tout se passe bien. Normalement ça devrait être le cas, je vais pas spammer pour éviter de me faire kick. Parce qu'on s'est déjà fait kick par le passé à cause de spam. Voilà, 49. Et ensuite on met le reste en puissant. Comme ça, on va atteindre 101. Donc là c'est 2 par 2. Hein. Ces parchemins ils donnent... On ne peut pas le voir là mais... Hop. Ils donnent 2 de sagesse directement. Donc c'est 2 par 2 d'affilée. Donc 51, 53 et ainsi de suite. Et du coup, hop. On va avoir un magnifique Ecaflip parchoté 91, 93, 15, 97, 99 et 101. Voilà, on a notre premier perso parchoté 101. Voilà, on n'a pas besoin de passer par les grands en fait, vous passez par les puissants. C'est moins contraignant des fois, ça dépend en fait du prix des ressources. On va mettre donc tous nos points en sagesse, donc ça va faire 10 points supplémentaires. Comme ça quand on restatera, on arrivera directement à 100 et voilà, un 101, ce sera bon. Ok, ensuite, on donne les parchemins dorés. Donc j'ai up level 10 en gagnant 12 000 d'XP. Techniquement, pour optimiser la chose, il faudrait remettre les points directement en sagesse pour justement rouvrir. C'est vrai que je passe level 12 et je pourrais redonner les points de sagesse et ainsi de suite, level 13 et level 14. C'est aléatoire. Mais on peut influencer, en fait un parchemin doré donne de 2 à 10 000 points d'XP, mais si vous donnez de la sagesse, ça donne plus, et le, en gros le ça tend vers le haut. Attends, si tu te restates, ça te met à 101. Oui c'est ça, exactement. Tu aurais dû le mettre le Dofus Kawot. Ah, effectivement j'ai oublié le Dofus Kawot, c'est une très très bonne information. Oui, j'ai oublié totalement le Dofus Kawot et le Dofus Turquoise qui est sur le Kra. PVP à quel niveau? Du coup, on va essayer de PVP au level 60. On va voir avec le tutu et tout si ça nous fait quelque chose de bien sympathique. Kra full explo. Rat noir, pas opti. Bah en fait, il est level 15, tu vois. Peut-être après, mais pour l'instant, il est bas level. Hein. Donc, je sais pas. Je vais voir déjà combien ça coûte. Foot Royal, 12 000. Je pensais que ça valait un peu moins cher. On va en prendre quelques-unes. Prends un level 100, le Kra est trop HL, l'écart de level est trop important. Et je passe level 28. Et ça, ça fait plaisir, voilà. Et il a droppé une laine de Bouffetour Royal, et bah super. Tant mieux pour lui, parce que ça vaut 10 000 kamas, et ça se vend bien. Tac. Et on va augmenter la sagesse, on va mettre la panoplie, et on va aller chercher des captures. Alors. Donc, on met la panoplie, donc il faut que je mette 28, j'ai quoi? Les alliances Silimel, c'est ça le chat? Ouais, les deux alliances Silimel. Le bâton Tata c'est 30, hein, 40. Ça je peux le mettre, non pas encore.
La brochette, je peux la mettre? 28, oui, c'est bon. La grid? Ok, c'est pas foiré le challenge. Et on up level 50! Excellent! La tofu, scarabos doré, rat noir. 84. Ok, on va en prendre une. Ça marche. Allez, let's go. 580. On va voir combien en XP. Je suis très curieux de savoir. Du coup, let's go. Donc, on va laisser les crats devant. C'est vraiment eux les plus importants. Et j'ai up 55. On va voir combien en XP en 9 minutes. Oui, humility. Sans durer. 670. 15 000. Donc, deux fois ce qu'on XP sur un BR. Après, pas de châle. Hein. Pas de châle, pas de châle. Bon PVP. Merci, beau gosse. Normalement, je vais up 64 là. Oui, 64. Et j'ai... Attends, les gars. J'ai droppé une maîtrise pour les dagues. C'est pas juste le destin qui nous parle. Oh là 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 là, incroyable. Ah, il a droppé un pourpre. Incroyable. Oh, il a peut-être acheté. Tu veux pour PVP? Putain! Mais yes, carrément. Carrément. Un petit pourpre pour PVP, ce serait incroyable. Et déjà, un émeraude, c'est très bien, hein, franchement. Oh là là. Incroyable. Et les 19 grands parchemins. Ok, parfait. Bah écoutez, on a tout, hein. On a les parchemins d'Ita, donc on a tout pour parchoter. Faut que j'aille faire un doppel et K-flip, donc... Bah, on va regarder la panoplie. Allez, on va tabasser les K. Faudra que je prenne Flamiche aussi. Ah bah super. Ça commence bien. Ça annonce du lourd pour la suite. 400 force, putain, j'espère qu'il va pas me... Allez, mais crit. Ah, je crit haut aussi. Il va me rouler dessus, non? Il va taper terre. 400 à tel. Oh, ça me fait des top cages. Oh, je... Allez, faut crit, là. Allez, ça passe. Ça dégage. Attention, en utilisant ce pouvoir, tu ne récupéreras que les points de caractéristiques que tu as investis au-dessus de 101. Points de caractéristiques. Ce pouvoir te permet de ne pas perdre de points caractéristiques que tu as gagnés grâce à des parchemins de caractéristiques. Mais tu ne pourras pas récupérer les points de caractéristiques dessus. Es-tu certain de vouloir continuer? Allez, utilise ce pouvoir. Donc là, j'ai bien les 101 en sagesse. Ok. Donc là, maintenant, on parchote vitalité. On fait très attention. On fait les petits parchemins de vitalité. Ensuite, on a les parchemins normaux. Parchemin de vitalité. Ah, mais des grands, j'en ai 30. Ah ouais, j'en ai 30 au total. Fais gaffe à pas te retrouver à 100. Bah, c'est 50, c'est sûr. Donc on va arriver à 79. Voilà. Et ensuite, on met les puissants. C'est les puissants. Chemin de vitalité, carac. Voilà! Parchoté, 101 vitalité, 101 sagesse. Et maintenant, on met tous nos points en vitalité, on le sait, hein, parce qu'avec les cas, c'était ce qui était prévu. On met tous les points en vitalité. Donc c'est parti. Donc on est parchoté, 101 vitesse, 101 sagesse, c'est mon premier perso. Plus que AJ, ouais. Ça va être vraiment ça le plus important, l'AJ ensuite. Allez, on met tout en vita. C'est parti. Voilà, franchement, bravo, hein. Parce que c'est ouf, là, il y a déjà 14 millions rien qu'avec ces deux trucs, hein. Pour l'instant, je pense que je préfère, les gars, qu'on parchote en stats plutôt que... qu'on parchote en parchemin de sort. Petit parchemin d'agilité, on va les mettre, hein. C'est plus gênant maintenant. On peut se parcho un peu comme on veut maintenant. On a les moins 100, effectivement, hein, je sais, hein, les gars, mais au moins, ce sera fait pour maintenant. Et ensuite, la force, où là, du coup, on va avoir pas mal de force. Des gros jambons. Alors du coup ça augmente vraiment? Ah, je peux pas le manger? Ah, mais est-ce que je peux le manger si j'ai pas de vita? Ah oui, je peux quand même, ok. J'étais pas sûr. On va tous les manger. Sans du rue obèse. Si je lui donnais autant de jambon dans la vie, croyez-moi, il serait obèse. Mais je crois que j'en ai 59. Je peux pas mettre 60, non? Ah si, je peux! Putain, oui, je peux jusqu'à 60. Incroyable! Putain, c'est oufissime ces jambons. Putain, les jambonneaux qui donnent de la force, hein. Ici, là... 1, 2... 3... C'est 1 ici... 1 ici... 1 ici... 1 ici... Eh bah putain, c'était complexe.
donner les 100 kawatts. Et du coup là, tu as pris le sort kawatt. Termine la discussion. Alors, je voulais un Gelano Vita. Bon, bah on espère que ça passe, Nico. J'ai acheté une grosse rune à 280 000. Bah écoute, je te le souhaite. Hein. Carrément. T'as pas eu trop de chance jusque-là avec les Gelano, donc pourquoi pas. Ouais. Bah voilà, c'est celui-là, hein, du coup. Hein. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois. Allez. Bonne chance. Bonne chance. Oui. Yes. Yes. Let's go. Il est passé direct. Quel bonheur. Ça va être incroyable. Donc il y a le mode 1 sur 2 bluff avec le chapeau le fer qui donne 25% de CC au bluff. Du coup avec le chapeau plus le tutu en fait et l'amulette, t'es 1 sur 2. En gros on a FM les items et on a tous les items et tout. On les avait fait hier, ça coûte une blinde mec, 3000 la rune. Ah mais c'est ça, pas vie. Franchement, wow, le prix des items, c'est genre 10% du prix quoi. Ah, exactement, c'est ça. En gros, juste t'achètes l'item, t'as acheté 10 runes quoi. Même pas, enfin, c'est incroyable quoi. Et hier, il y a Pew qui nous a prêté du coup un Gelano PAPM et un pourpre. Aucune idée, et un pourpre. Du coup, on avait un pourpre 49 sur les cas, mon gars. Donc là, c'est juste pendant les combats, mais je t'avoue que c'est ouf quand même quoi. Par contre, si je fais une roulette, mec. Crit sur le moon, je vais bégayer. Mais tu vas pas roulette. Non, je vais pas roulette, non. T'inquiète. Si t'es un homme, tu roulettes à tous les tours. Bien sûr. On se cache pas derrière les murs, on le détruit en fait. Ah ouais, moi je l'ai. Ouais, on le fume, hein, je pense. Je l'ai fumé. Le petit moon, je crois qu'il faut juste le fumer, le petit moon. Hein. Faut aller vers lui et lui tabasser la gueule. Il veut que je roulette crit. Nico, il veut que je roulette crit, je le sais. Roulette Pierre. Je sais que tu veux que je roulette crit, mais je vais pas le faire, mec. Si, Pierre. Ah, si, Pierre. Faut de ça avec moi, hein. Faut que tu le montes. Level 2, Odora, ça fait un point. Ah bah, ouais, il est déjà level 2. Je l'ai monté level 2. Ouais, j'avais pas vu. Je fais la roulette, vas-y, let's go. 50 dommages. Je l'ai tenté, Nico. T'es bien, Pierre. Full invoke. La team full invoke. Allez, petit bluff des familles. Oh, et le crit. Oh là là, le crit à 35, Nico. Allez, crit chaton. Roulette. Let's go. T'as pas roulette, Pierre, j'ai vu. Oh putain, oui, j'ai pas roulette. Oh, tous les jours, fallait roulette. Aïe. Let's go. On va voir Marten Moon avec les K. Continuez. Acceptez. Vous avez appris le sort Marten Moon. Yes. Yes, putain, Marten Moon. Il faut que je monte. Donc, je vais aller chercher les points de sort. Il me faut 681 000. Hop, on va les acheter et boum, ça fait mal hein. Ça fait mal les diamants là, ils picotent. Bah s'il arrive THL oui. Ouais s'il arrive THL mais effectivement je ferai du PVP sur toi. Alors apparemment c'est là, est-ce que c'est lui? Échanger. Je te cache pas que... Ouf. À la place de la F4 ça me dérangerait pas. Ouais carrément à la place de la F4 ça peut être un bon perso. Après si t'as envie de jouer la F4. Voilà j'ai envie de PVP et j'ai envie de jouer la F4 aussi. Bon bah ça fait 7 points de sort hein, c'est ce qu'on voulait. Tac. Est-ce que tu as PVP avec un corbac? Oui, je vais PVP avec un corbac, bien sûr, Nico. C'est évident. T'as quoi du coup? Alors, j'ai acheté tous les familiers. J'ai. Rési. J'ai le boic feu 20%, le boic air 20%, le boic eau 20% et le chacha 20%. Ok. Et t'as rien en stats? Genre, t'as que des rés. Comment ça, j'ai que des rés? Genre, t'as que des. Des familiers rez. Oui, effectivement, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pas mal aussi que je prenne un familier AJ pour avoir un ouais, peu ça plus peut être sympa, hein, de statistiques. Mais il coûte très cher, c'est pareil. Pas non plus. 3 millions, mec. Ouais, c'est pas donné. Hein. Voilà, c'est hyper cher. Donc pour l'instant, en fait, j'ai pas des sous illimités, tu vois. Ouais. J'ai pas sous illimités pour faire tout ça, quoi. Ouais. Ok, allez, c'est parti. Alors, je vais mettre les sous aussi pour pouvoir porter le bouclier fiscal, Nico. Ça fait des résistances. Bon, par contre, il y a la question hyper importante, c'est est-ce qu'on passe démon ou est-ce qu'on passe ange, tu vois? Non, il a raison, Jesus. Pile ou face, c'est un éca. Je fais un pile ou face, vraiment? Vous voulez que je fasse un pile ou face? Voilà, bah c'est parti, on y va? Vas-y. Putain, j'ai peur de faire une connerie. Voilà, j'allais taper. Et bah c'est pile. Voilà, vous le voyez, c'est pile. Ah, c'est le petit numéro, elle a tapé dans la caméra. Et voilà, c'est pile. Voilà. Ah ça c'est un beau ricochet. C'est un beau ricochet, elle a tapé sur la caméra. Donc bon, je peux pas faire mieux là. Genre là, elle a vécu la pièce. Voilà, je serai ange.
C'était pas un très beau tourniquet, on va pas se le cacher. T'es jaloux de mon tourniquet. BO3, nul, nul, nul. Il y a des gens, ils sont là. Nul. Moi, je voulais démon. Mais tu triches, mais j'ai vraiment pas triché. Genre, c'est le hasard, c'est le hasard. Let's go. Les ailes dégueulasses, mec. Faites que ça tombe sur moi. Okay. Si tu tombes sur un 80, c'est possible, hein. En vrai, c'est possible que je me fasse rouler dessus. Ah non, j'avais dit, attendez, j'avais dit juste que j'expliquais mon stuff. Et surtout, je veux organiser mes sorts. Parce que sinon, je vais faire de la grosse merde au niveau des sorts. Je le sais, je suis persuadé, je vais faire de la merde. Alors, j'explique mon stuff juste avant qu'on lance. Et ensuite, je vous montre. Ok, donc. On a un stuff qui est R 1 sur 2 au bluff. Donc tout est basé sur le 1 sur 2 bluff. Donc on a le chapeau le fer qui donne 25% au bluff. Plus le turquoise qui nous donne 15. Donc ça c'est mon turquoise. Hein. On a l'émeraude également qu'on avait droppé au tout début de l'aventure. Donc c'est cool, ça nous fait un petit dofus supplémentaire. Et les 5 CC de la mue font qu'on arrive tout pile à 15, 25, 40, 45. Et on est, ça nous fait, avec l'agilité qu'on a, ça nous fait 1 sur 2 à bluff. Donc voilà. Donc on a la panoplie blop. Coco full... full agi. Donc on a les faiblesses terre. Et ce qu'il nous faut, donc c'est une alternative pour éviter justement qu'on se fasse péter la gueule. Genre mettre une Degeta Erdala et l'amulette Erdala. Donc on a un Gelano PAPM que nous a prêté Pew. Et le pourpre également, il nous a prêté ça également. On a le pourpre, voilà, qui nous a prêté, qui est un 49, qu'il a droppé dans le donjon. Donc c'est assez incroyable. La panoplie, Coco, au total, tout est over vitalité. C'est les bottes qui sont les plus belles, qui font 105 vitalité. La ceinture, 100. L'anneau, 70 en vita. Et l'amulette, qui est la plus belle. Elle fait 5 critiques sur 5 critiques. 13 sagesse, 25 agi sur 25, 13 sur 15, et 105 vita sur les 30. J'ai la possibilité de mettre un Toadi, un PM et un bâton carnivore en plus, voilà si nécessaire. Tu estimes ton stuff à combien? J'ai aucune idée. Le tutu est... Ah bah il y a la joueuse qui est là. C'est lui qui nous a conseillé justement sur les... C'est lui hein, qui nous a conseillé sur les stuff à mettre et tout. Je pense qu'il faut le taper. 100%, 100% notre, ouais c'est notre. Faut le taper hein, je pense. Hein. C'est le moment. Hein. Allez, let's go. Pas de crit. Oh j'ai fait deux bluffs au Nico. Ah putain, ça commence extrêmement bien. Ah là 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 là. Heureusement que je jouais K pour le côté chance. Hein. Oh c'est terrible. Terrible, terrible. Ah là 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 là. Ah le chaton il l'a tué. Ah il le tue très vite quand même le chaton. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like pour me soutenir. Vous pouvez également vous abonner, comme ça vous serez au courant de quand je sors une vidéo. Et vous pouvez nous rejoindre en live, c'est tous les jours, c'est sur Twitch, vous avez le lien dans la description. Bye bye tout le monde !